Yeah yeah les gars, ici Dave on Fire et aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour la nouvelle voiture. Et oui, la nouvelle voiture. Alors voici la belle voiture là, la magnifique. Oh, elle est... Mais là tu sors, putain, merde. Bon, alors voici. Ça me gasse, putain. Bon, revenons à nos moutons. Alors la super nouvelle voiture, magnifique. Attends, je vais me mettre en first person et waouh. Le devant est magnifique. Je l'ai acheté un matin. Normal. C'est parce que je voulais tellement me l'acheter. Alors là, j'ai 460. Alors j'espère que je vais avoir assez pour la customisation et tout. Normalement, j'aimerais avoir assez. Mais le plus kiffant de la nouvelle voiture, c'est le derrière. Alors le derrière, il est esquive. C'est, ça donne l'eau à la bouche et tout. Et... on va juste montrer l'intérieur. Non, monte pas. Mais attendez, on va essayer d'ouvrir la porte. On ouvre la porte, mais on pas dedans. Voilà, merci. Bon, on se met en first person. Et attends, juste pas le scope, s'il te plaît. Merci. Je te dis pas de scope. J'ai-tu mis le scope partout, là? Bon. Alors. Voici la super nouvelle voiture. Alors, il y a marqué grotté sur le... Donc, comment on a ça? La boîte à gants. Avec le petit volant qui est assez stylé. Aussi le tableau de bord qui est assez haut. Et assez normal, assez classique. Avec les tout petits boutons en plein milieu. Les sièges, je sais pas trop quoi. Là, je sais pas fait trop quoi. Les pédales sont assez belles. Bon, c'est, en fait, c'est un peu du grand n'importe quoi. Bon, on s'en fout. Alors, le petit moteur. Ah oui, le moteur. On va checker le moteur. Hein. Juste pour voir. Bon, on sait pas comment on travaille dans le moteur, mais. C'est pas pire, hein. Quand même, pour. Le moteur qui est assez. J'aime les petits motifs en plus. Ouais, très détaillé. Sérieusement, GG Rockstar, hein. Pour la nouvelle voiture. Bon, c'est la Grotti Turismo R. Ben, c'est la Turismo R, mais en classique. Et le son. Attends, faut que je trouve que je vous monte le son. Là. Alors, un petit son sympa. Et là, on est juste à côté du le Santos Custom. Alors, on va y aller. Et on va la customiser. Alors, Grotti Turismo classique, sportive classique, bien sûr. Alors, je vois rien parce que là, un de mes amis m'a invité. Je m'en fous. Alors, on va mettre frein à fond, pare-choc. Oh, ouf, il y en a des pare-chocs. Alors, il y a pare-choc de série léger, que ça modifie le milieu. Pare-choc avant classique. Ok, ouais. Ah, ok, ouais, avec les petites lumières. Ok, ouais, je viens de voir. Après, il y a pare-choc avant de course. Avec les petites barres. Pare-choc course carbone. Pare-choc avant GT. Qui est assez pas pire, hein, sérieusement. Et pare-choc avant GT carbone. Sérieusement. J'aime vraiment le classique. Comme ça. Elle fait vraiment belle. Moteur. À fond. Bloc moteur. Ah, ça c'est vraiment le chill. Alors on peut le mettre bloc moteur couleur 1 et bloc moteur couleur 2. Bon, on verra ça plus tard. En réchappement. Désolé parce que je reçois des messages. Là. Bon, alors. Mais. Oh my god! Non, mais si tu finis de me faire tes rangées, là? Merci. Bon, alors, échappement à bout chromé. Tabarnane, ça suffit, là, bordel, les notifications. Oh my god. Désolé, parce que je suis dans un groupe, il y a des notifications, des messages, des notifications, des messages, des notifications, des messages. Bon, alors, échappement à bout en carbone. Échappement à bout chromé. Échappement à bout titane. Et échappement large. Qui rave. Stylé, ça. Alors, on va le mettre. Explosif. On n'a pas. Capot. Il y en a beaucoup. Alors, capot de série rayé. Waouh! Ok, ouais. Non, jette. Cap.
pour ventiler qui change juste la couleur des miroirs, ok. Capot ventilé rayé, capot de course, capot de course rayé, capot jeté et capot rayé. Capot jeté rayé, ok. C'est un peu tout un. Ah non, en fait, ça c'est. Ok, mais sérieusement, j'aime bien celle-là. On va mettre ça là. Alors, éclairage Xénon, on met pas de kit néon. Alors, par soleil, alors, par soleil couleur 1, par soleil couleur 2, par soleil, ben, par soleil carbone. On va, vu que là, bad case, ok, bad case couleur 2, bad case en couleur carbone. On va mettre couleur 1. La couleur 2, je veux dire. Alors, les, oh putain, mais il y en a, les mecs, mais il y en a. Il y en a 12. Alors, on n'a aucun qui est assez stylé, sérieusement. Elle en jette quand même. Alors, aileron de série couleur 2. Aileron en carbone. Aileron jeté. Aileron jeté couleur secondaire. Elle est jetée en carbone. Aileron sport. Aileron couleur 2. Aileron sport en carbone. Aileron course. Et aileron course couleur 2. Qui est un petit peu abusé, je trouve. Un petit là, un petit. Ah, comme celle-là. Mais pas en carbone. Oh, attends. Ouais, comme ça. Comme ça. Non, attends. Putain. Jeté. Alors, transmission à fond. Turbo à fond. Alors. Et là, on modifie la peinture. Alors, ah, oh, en plus, on a le coup de finition. Ah, ça, c'est ça que j'aime. Modifier l'intérieur. Bon, alors, couleur principale, on va mettre un petit métallisé. Qu'est-ce qui ferait bien? Oh, comme ça. Ah ouais, acier noir, là. Waouh! Sérieusement, elle est vraiment belle comme ça. Putain, on va la mettre. Puis nacré, on va mettre. Blanc, comme ça. Ah ouais, là, elle est pétante. Mais là, elle est vraiment grave pétante. Alors, un petit classique. Ah oui, rouge comme ça. Ah ouais, mais non, mais elle en jette comme ça, les mecs. Ah ouais, mais elle est trop belle. Elle est trop belle comme ça. Alors, là, on va changer. Attends, oui, la couleur de finition, on va la mettre. On va la mettre rouge. Ah ouais, comme ça, waouh. Alors, personnel, on va le mettre. Alors, on a couleur 1, couleur 2, ou en carbone. Non, comme ça, non, j'ai. Ou comme ça. Je sais vraiment pas. Ah, attends, on va mettre couleur 1. Alors, qu'est-ce qu'on avait aussi pas mis les fenêtres, on les met un petit peu teintées ou teintées à fond? On les met un peu teintées. Les roues, on va les changer. On va mettre type de roue. Et on va mettre ma jante, la jante Diamond. Oh, j'ai pas. Non, non, mais elle fait pas bien, la Diamond. Oh, la jante de Diamond, elle fait pas bien. Non, non, regarde. Vous Allô? savez quoi? On va mettre. Je sais pas. On va mettre sport. Une jante de sport. Qu'est-ce qu'elle fera bien? Oh, sérieux, celle-là, elle est vraiment belle. Ok, on va mettre celle-là. Et on va changer la couleur de la jante. On va mettre un. Peut-être un noir. Ou un. Argent pierre. Ou un rouge, peut-être. Ah oui, les rouges sont pas bien, bien beaux. Hein. Ah, peut-être comme ça. Non. Ah, je sais pas. Ouais, comme ça, c'est pas pire. Les pneus, apparence des pneus. On peut mettre pneus custom, mais non. Les cartes de base. Puis à part de ça, moteur à fond. Ah oui, le bloc moteur. Alors, bloc moteur couleur 1 ou couleur 2? Ah, mais couleur 2, j'en jette. Hein? Non, jette. Alors, on va aller tester ça. On va aller voir la petite vitesse, comment qu'elle va. Oh, elle est magnifique, les mecs. Sérieusement, elle est vraiment magnifique. Alors. On les voit.
On va juste faire un petit test de vitesse. On va descendre par là, comme ça, c'est... Benji nous fait pas trop chier. Ah ouais. Sérieusement, elle est grave stylée. Bien rapide. Très rapide. Ouais. Mais, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vais faire une vidéo pour faire un petit test de vitesse contre la Turismo et la... ben, la Turismo classique et l'Inferno classique parce que, sérieusement, les deux vont extrêmement vite. Puis j'aimerais savoir c'est quel des deux qui vont le plus vite. Alors, ce serait peut-être en compagnie de Petey ou de Jenny ce temps-là. Peut-être que Jenny, c'est lui qui va lancer le départ, puis Petey va être contre moi. Mais on verra ça pour la prochaine vidéo qui va arriver dans très très bientôt. Puis moi, j'espère que vous l'avez aimé cette vidéo. J'espère aussi que vous aimez la voiture aussi. Sérieusement, par le look, est quand même assez belle. Ah, aussi, il faut que je vous montre le prix aussi. Le prix, elle coûte, me semble, 715 000. Non, en fait, 705 000. Et c'est quand même pas donné quand même pour le monde qui n'a pas assez d'argent et tout. Mais elle vaut la peine pour le look. Mais pour la vitesse, je sais pas. Mais pour les one ride et les looping, normalement, je sais pas. Peut-être qu'elle passe ou peut-être qu'elle passe pas. Alors, j'espère que vous l'avez aimé cette vidéo. Laissez un pouce bleu, c'est la récompense. Et moi, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao les mecs.